Voilà quelques belles images du vernissage de Paris Photo à la galerie Magnin A avec vous, Omar Victor Diop. Bonjour, merci beaucoup d'être là avec nous sur France 24. Alors, un solo show à Paris Photo, c'est une belle vitrine de votre travail. Ça se passe plutôt bien là pour vous, cette édition Absolument, c'est une des semaines les plus importantes de ma carrière. C'est mes 10 ans dans la photo. C'est euh, Paris Photo, c'est euh, un peu la grand-messe de la photo dans le monde. Alors, vous avez une triple actualité euh, la sortie de ce très beau catalogue de votre travail euh, récent. Il y a aussi une exposition euh, en cours euh, à Dakar. Mmh. Et puis, donc, cet accrochage à Paris Photo, euh, intitulé Allégoria. La série est intitulée Allégoria. Alors, parlons-en quelles étaient vos intentions avec cette série alors, avec Allégoria, je, je me suis autorisé un peu plus de légèreté. Je voulais faire une lettre d'amour euh, à la nature et au vivre ensemble entre les choses vivantes euh, sur cette planète, y compris les êtres humains. Et ah. je tenais aussi à, à présenter l'être humain comme euh, un animal parmi les autres, plutôt que cette vision qu'on a, nous, que ceci est notre jardin et que nous en sommes les propriétaires. Euh, alors, vos photos, elles sont très travaillées. Elles sont composées aussi, il y a de la photo, euh, mais pas que. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez comme médium en plus de la photo Alors, c'est un gros travail digital, c'est du collage. Euh, et donc, en fait, c'est souvent des scans de manuels d'histoire naturelle euh, du XVIIe 17, euh, et XVIIIe siècle que j'insère dans l'image. Donc, en fait, ça demande une certaine gymnastique euh, au moment de poser sans ces, ces éléments qui ne sont pas réels, en fait. Et, euh, mais c'est ça aussi le fun de l'exercice. Oui, alors vous disiez l'être d'amour à la nature, vous abordez explicitement hein, dans cette série la question de, de l'environnement. Mm -hmm. euh, là, en ce moment, la COP26 à Glasgow est en train de, de se terminer. Mm -hmm. euh, quelles sont vos préoccupations justement à ce sujet Alors mes préoccupations, euh, je dirais plutôt mes envies, c'est que euh, la conversation soit beaucoup plus présente. Euh, dans le contexte africain, euh, j'aimerais à la fois beaucoup plus de représentation euh, des acteurs euh, dans ce domaine de la préservation de éco enfin de, des écosystèmes, mais euh, je voudrais aussi que ça ne soit plus une conversation entre euh, personnalités euh, concernées, mais que ça soit vraiment euh, une chose dont on parle dans les foyers, et dans les écoles, et là où c'est important. Mm. Et à votre avis, qu'est-ce que peut l'artiste que ne peuvent pas les militants ou les politiques sur ce thème-là Alors, l'artiste a la liberté d'y de, de, aller par les sentiments, c'est ce que j'essaie de faire. Je pense que les gens savent déjà euh, ce que les êtres humains sont en train de faire à la planète. Euh, donc je sais pas d'apprendre des choses aux gens, j'essaie de, de les toucher. Et je voudrais qu'on réalise que c'est un privilège d'être sur cette planète. <laughs> Euh, alors on retrouve toujours chez vous un sens très pointu hein, de la mise en scène, c'est posé, c'est théâtralisé parfois. Euh, quelles sont vos inspirations Alors mes inspirations sont, sont, sont multiples, surtout dans cette série. Il euh, y a des références à l'art islamique euh, ancien, ces visions euh, du paradis de la Janna musulmane, euh, un peu d'art japonais aussi. Et bien entendu, mon patrimoine euh, visuel euh, que je chéris est la, la grande photographie de studio africaine. Euh, Mama Kassé, Seydou Keïta, Malik Sidive. Mmh. Qu'on voit d'ailleurs euh, à, à Paris Photo, il y a oui. deux ou trois photos oui, d'eux. Euh, alors les sujets que vous traitez, euh, que ce soit dans Liberty, dans Diaspora et aussi dans, dans Allegoria, sont des sujets marquants euh, qui abordent souvent euh, des thématiques liées au continent euh, africain. Euh, que, comment est-ce que vous trouvez vos sujets et surtout, euh, qu'est-ce qu'ils racontent de l'Afrique que vous racontez vous Alors ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter des perspectives différentes. Euh... Plus on, a, plus on a cette capacité à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, plus on s'enrichit. Et en fait, ce que je fais, moi, en tant qu'homme africain du 21e siècle, c'est d'offrir des perspectives historiques, des perspectives sociales, qui ne sont pas celles qu'on a apprises à l'école, qu'on ait étudiées en France ou en Afrique. Et en fait, c'est cette pluralité des perspectives qui, à mon avis, va faire qu'on se connaîtra un peu mieux et peut-être qu'on vivra un peu mieux ensemble aussi. Euh, alors, à la fin du catalogue, de ce très beau euh, catalogue, Omar Victor Diop, euh, vos remerciements sont notamment adressés à Marie Scondé oui. et à Léopold Sédar Sangor. C'est très beau, hein, dans une liste de, oui. de, de beaucoup de, de remerciements. Euh, de quelle manière est-ce qu'ils vous ont inspiré Alors, Marie Scondé est le premier roman, euh, Ségou de Marie Scondé est le premier roman de grande personne que j'ai lu et très tôt, je devais avoir 11 ans. Et en fait, ça, a, ça a changé ma vie. C'est là que j'ai réalisé que. Euh, L'Afrique euh, était partout dans le monde et que j'avais des cousins partout. Depuis ce jour, je n'ai je jamais réussi à regarder un Antillais comme quelqu'un d'autre, c'est juste un cousin qui est de l'autre côté de, de l'Atlantique. Et en fait, ça, c'est Marie Condé Et Léopold Sédar Senghor, c'est cette envie euh, euh, de participer à la grande conversation humaine. Ça, nous, nous l'avons appris, nous tous, de Senghor et, euh, et je ne pouvais pas ne pas euh, le remercier. Enfin, euh, M'incliner devant sa mémoire. Donc, lettre d'histoire, lettre d'amour à la nature, lettre d'amour aussi euh, à l'homme. Euh, alors, un mot d'un autre artiste euh, sénégalais, mmh. l'écrivain euh, qui vient de, de recevoir le, le prix Goncourt 2021 pour euh, la plus secrète mémoire des hommes, euh, Mohamed Bougarsar. Mmh. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cette récompense Alors, euh, ce vendredi-là, c'était un peu, ça avait des airs de, de jour de fête, parce que c'est une, nous considérons nous tous que c'est une victoire, euh, c'est une fierté, euh, c'est euh, la reconnaissance d'un talent aussi, et c'est vraiment une fierté, je, je trouve pas d'autres mots, euh, et c'est très inspirant aussi. Oui, c'est un très beau texte. Oui, oui très, très beau texte. Euh, alors, les jeunes artistes sénégalais, comme lui, mais euh, comme vous aussi, euh, ont visiblement la cote en ce moment, parce que vous, vous avez la cote. Je crois que euh, vos photos ont été achetées euh, également par la collection euh, de la euh, Fondation, Fondation Vuitton. Fondation Vuitton, oui. Voilà, mais pas que. Euh, donc, euh, voilà, une vraie cote aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est une pure coïncidence ou est-ce que vous pensez qu'une nouvelle génération de voix africaines mmh. comme la vôtre, peut-être d'une jeune génération, se fait mieux entendre ou plus entendre mmh. Absolument, le monde est de plus en plus connecté et ça multiplie les avenues par lesquelles les talents peuvent être découverts. Je ne pense pas qu'il y ait plus de talents maintenant, c'est juste que le monde aussi est beaucoup plus disposé à voir la réalité à travers nos yeux. Donc c'est un moment fantastique pour être un créatif sur le continent et je me considère, je me réveille tous les matins. Euh, me sentant privilégié de mmh. faire partie de cette communauté. Vous vous dites très chanceux, il y a autre chose. Euh, vous avez écrit que vous avez donc un grand studio de création à Dakar, mmh. euh, ça s'appelle le Studio des Vanités, oui. c'est un très beau bon nom. Mmh. Euh, et vous avez souvent dit que vous vous sentiez vraiment chanceux de pouvoir créer, mmh. euh, de pouvoir créer au Sénégal, de pouvoir créer mmh. là-bas par rapport à d'autres. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez dire C'est-à-dire que euh, j'ai la paix chez moi. Et mes opinions euh, ne sont pas conditionnées par euh, 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 les personnes au pouvoir. Ou euh, je suis quand même très libre dans ma création, et je n'ai pas besoin de m'exiler pour euh, avoir une opinion. Et ça, c'est euh, c'est la, la preuve aussi que la démocratie et les, les droits civiques euh, sont une réalité, en tout cas chez moi, et, et c'est une fierté. Euh, alors pour finir cette émission, on vous a demandé de de venir accompagnée d'un coup de cœur. Et vous avez choisi la rappeuse anglaise Little Sims. Mm -hmm. Elle est jeune. Mm -hmm. Et pourquoi ce choix parce que, parce que Marie Scondé et parce que tous les noirs du monde sont mes frères et sœurs. Et, et ce qu'elle fait en, en, en musique, c'est ce que j'essaie de faire aussi en, en photographie apporter des perspectives nouvelles, être euh, partager sa réalité et peut-être inspirer. Et mm -hmm. elle m'inspire et j'adore sa musique. Et penser le monde aussi, c'est ce que vous Penser le, le monde, absolument, oui. Merci beaucoup, Omar Merci Victor Diop, d'être venu sur France 24 pour nous parler de votre travail. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se quitte donc avec le son de Little Sims. C'est un extrait de son tout dernier album, Simbi. À très bientôt. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures of provider feeling unhappy within. Know what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much I said, now the silence giving me headaches. Only for speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to look carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be, and so it can't wait. Should've been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze, a wish than be faced with this reality. Is yeah. you a sperm donor or a dad to me, and still?